savoir que les listes provisoires n'étaient pas encore arrivées, qu'ils attendent Yaoundé. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas. Puisque nous partions, c'était pour nous rassurer que nos militants qu'on a inscrits, ils étaient effectivement là et qu'on pouvait avoir leur carte. Donc, ils ne devraient pas faire un problème. Si le président de la République a fait tant de confiance au Lomato, nous, on ne devrait pas avoir de problème électoral. Moi, je pensais plutôt qu'on peut parler de l'amélioration de score. Parce que le leader que nous entendons, la session que vous menez entraîne tous ces leaders dans le monde. On va venir à Malindo, on va chercher quel leader. Si ce n'est pas M. Ndoussé, si ce n'est pas Madame Kaboua, si ce n'est pas Pascal, si ce n'est pas Chirou, si ce n'est pas. Vous avez. Maintenant, Monsieur le Président, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas le seul élite, la seule élite de l'Onato. Et c'est ce problème que nous déplorons depuis. Parce que tous les autres élites que le renouveau a fabriqué, ils devaient être dans ce combat. Ils devaient être dans ce combat. Parce qu'on dit ça, l'arrondissement des ministres, des DG, des délégués régionaux et autres présidents, nous pensons qu'il est leur. Il est l'heure que le parti doit saisir. Les autres disent qu'il faut aller voir le comité central pour la conscience de l'islam. Moi, je pense qu'il faut aller voir le comité central pour que ces leaders que le parti a fabriqués, qui rentrent travailler dans les localités.